Bon, bah, je ne comprends pas. Colonel Rebut, qui ça lie exactement? Donc, est-ce que c'est le gré qui fait en sorte de retrait ou bien ou même? Parce que je sais que vous êtes de l'opposition politique, vous exigez le départ du président le 7 février 2021, mais je veux dire, on dit que c'est un coup où font sortir tout, et puis où regardez opposition par rapport à pouvoir là, où chaque rete dans bout non question de extrémisme et que quoi que faut qu'on chita parler sans pas gain a priori, ça veut dire sans opposition va dire oh m'a chita avoir oui mais 7 février 2021 faut d'accord comme préalable pour aller etc pour que qu'on entente et m'a pas trop comprendre son retrait qu'on fait ou du moins c'est saleté toujours m'a pas quoi c'est saleté bon depuis le 3 mai après le te fin signé accord Mariotte là moi pas de courant rien dans le processus dans dynamique qui était mené à accord là. C'est votre président actuellement? Oui. Le 3 mai tu une manifestation et avant manifestation dernière réunion que tu fait, il était dit que tout dirigeant fait pour payer de présence dans la manifestation. Ça avait dit que là. Effectivement, malé. Le malé, c'était 10h30, les midi et demi, aucun dirigeant. Il y a un ancien sénateur qui passe bon côté moi. Et puis, il m'a dit, mais gros problème, est-ce que monsieur a un problème? Il dit, non, monsieur, non. En face, Djumbala, il a signé. Encore Mariotte, bah, comme ça. Bon, maintenant, je n'ai pas besoin de l'église pour comprendre. Dans le niveau MIA, si je n'ai pas organisation, une décision aussi importante. Pour le moins, il faut que tu sois au courant. Moi, pas au courant. Et moi, je viens de voir encore Mariotte, là, il y a peut-être 2 mois. Je viens de voir un document. Donc, depuis là, je n'ai pas participé à aucune réunion, aucune activité. Moi, pas connais. Qui ça a fait, donc pas même qu'à proposition en pour ou en contre. Donc vous n'êtes plus de l'opposition politique? Non, je suis en désaccord avec la méthode que le président Jovenel Moïse a dirigé, orienté et dirigé pays. Ok? Donc ça veut dire que moi j'ai la même préoccupation que camarade qui est en opposition, sauf que je ne fais faire aucune critique sur ce qu'il a fait ou pas fait. Parce que je ne sais pas qui ça fait. Ok, si le président a un coup de fil jeudi, Jovenel Moïse, il demande un coup de main pour aider le sorti. Il est conscient que la situation est difficile. Un coup de main en termes d'intermédiaire. Intermédiaire comment? Intermédiaire entre le pouvoir et l'opposition pour faciliter un chita palais. Même bague. À l'approche de 7 février 2021. Je n'ai pas de préoccupation ni pour le président Jovenel Moïse, qui est un grand monde. Qui compte qui vient pour le traverser la rue pour compte lui, il est tellement compte ça, il compte qui vient pour le conduire un train. Okay? Ni pour, train en ce pays, hein? Ni pour opposition. Préoccupation, c'est est-ce que acteur conscient côté nous praler là? Et si au conscient, qui ça y est paré pour faire le moment privé? Parce que la privé quand même. Puisque nous baillons tête, nous, des délais, nous avons des projets, je suppose, pour des délais que nous baillons tête. Mon sentiment, c'est que je ne crois pas quoi que nous très conscients de tout bagaille qui doit arriver dans le pays et conséquences. Je ne crois pas quoi non plus que l'international, avec propre préoccupation, c'est nous-mêmes qui prenons le sujet de prédilection. Donc, moi-même, je me dis, attention, je fais 2 appels. C'est pile citoyen qui a payé conséquence. Une conséquence gestion politique que nous gagnons là, qui était dans le silencieux, par peur, par crainte, par bras cassés, etc., qui n'a pas fait rien, qui quitte eux. Qui quitte toute structure politique, qui a mené côté moi, qui a mené là. Ça fait un. Maintenant, de tous les jeunes qui sont dans le pays, est-ce que vous êtes conscient qu'il y a un avenir engagé? Et est-ce que
yo juste d'accord pour yo croiser bras yo pour yo pas dire ou pas faire rien pour côté dirigeant toute catégorie que ce soit dans opposition ou dans pouvoir à mener yo parce que jodi a que m'vlil que m'bavlil c'est une jeune femme ou un jeune garçon qui a entre 30 et 40 ans qui a pour prendre soin dans les 5 années à venir. Maintenant si m'pa préparé pour les capacités pour le faire ça pour le cap gagner ville lui-même moi-même moi tout condamné tête pas tout. Et moi quoi gagne pile bagay qui capable fait qui fait pour faire que jeune yo fait pour prendre position. Moun kap paye conséquence. Je dis à qui moun qui gen un moun nik sorti qui certain que la rentré qui pas gen un stress tant que le poko wè moun nan rentré la. Ouais ouais. Pas pral rele moun nan même sous tant dans l'autre voix même que quand sorti. Sous rele ou pas joine. Sous rele dans téléphone, il pas répondre. Même côté a. Que ou tombé sauté. Ouais. Est-ce que nous capable vivre au quotidien comme ça? Nous pas parler de cap gen moun même qui rive jusqu'à la mort. Jodi a un moun qui dit que ou prend machine nous. Ou pral pour un petit bain la mer. Ou sont imprudents. Jodi a un moun qui t'a dit c'est période fête qui pral faire dans son petit bal. La mandé à 10h du matin comment la faire qui des club côté lié a pour rentrer la caille. Est-ce que le sucre la prend? Voilà, ou gen ou, non, sérieux, si vous pas tellement prendre mon nom, parce que vous avez dormi, vous avez ménage, vous avez occupé madame le soir, c'est grand la journée, vous avez allé chercher. Ok? Et vous n'avez pas aucune infrastructure continue des forces de sécurité. Est-ce qu'on peut vivre, continuer à vivre dans cette misère morale permanente? Oh, moi-même, moi sûr que vous avez une solution. Donc, toute ma jeune, qui est à fond pour vous mettre tête ensemble, pour venir dire mon temps comme yo qui mène yo là que yo même pas pral là encore colonel permettre un petit moment nous pratiquement arrivé la fin on nous met une petite méthode colonel Rivi va prendre une dernière intervention m'a dit en guise de conclusion et pour nous clôturer donc nous avons 20 minutes là oui 20 minutes justement. Et bon, c'est là qu'arrive vos antigens abondants. En tout cas, nous voulons parler moins. Non, mais quand même... moi, je voulais parler en toi. Je voulais parler en toi. Et en réalité, Peggy, moi, pensais que gagner un élément qui est très fondamental. Faut très élégant, sénateur. Je vais parler en toi. Non, attends, mon frère. Moi, pensais que je dis là, gagner une situation qui est extrêmement grave, qui doit interpeller nous toutes. Oui, après ça, oui. Dans quel sens nous devons interpeller? Oui, en guise de conclusion. La COJIT propose quoi concrètement? Moi, pense que dans le début année 2021, les acteurs politiques, quel que soit dans le camp, il faut faire preuve de clairvoyance et de sagesse. Jusqu'à présent, pour consentir ça, la caillou dans yo. Parce que nous, chaque compte qui positionne à défendre, c'est qu'il y a le pouvoir ou bien prend pouvoir. Mais, certains, Peggy, si pas gagne un sursaut qui fait pendant mois janvier Peggy ça m'a dit à la m'a pas de malheur Peggy m'a certain que Peggy a grand pile ça qu'a couler dans pays oui a grand pile ça qu'a couler parce que écoute moment vérité ou pas arriver dans situation c'est acteur ou pral imposer volonté ou non ou grand population qu'a vivre dans misère qu'a vivre dans crasse population bouquée à misère, Peggy. Et entre-temps, vous remarquez que moment, c'est avec un pile et avec un pile amertume, Peggy, nous constatons qu'il approche que l'administration Donald Trump développe Haïti pendant le mandat président Donald Trump. Et nous vraiment sentons-nous inconfortables. L'un a suivi position secrétaire général OEA. Qui en réalité t'as de là pour garantir que le principe démocratique est respecté, échéance est respecté. Oh là, ouais, là, je dis, il y a deux élections parfaites. Tout passe par Washington. Non, mais Peggy, je vais vous dire pour une fois. Pour une fois. Je pense que gestion, rapport, bien coopération entre Haïti et États-Unis est vraiment dégradée pendant les dernières années.
Et je pas certain que, comme ça te fait avant, ou pas une initiative qui a pris par international, ou te fait dialogue, y a suscité moun fait dialogue, mais yon connaît ou fait partie du problème. Non? Donc, je dis à me penser. Oui, c'est la dernière intervention. Conseil que me gagne. 3-4 minutes. Oui. Conseil que me gagne. Oui. Pour acteur dans le pouvoir. 5 minutes. Et pour acteur dans l'opposition. Si nous pas fait preuve de sagesse, me garantis nous, n'a dit quand même si m'te connais. Et moi-même, pas faire politique. Moi là, la question, droit moun, m'a regardé est-ce que droit jeune yo respecté, m'a regardé est-ce que jeune travail, est-ce que l'État traite ou à dignité, est-ce que l'État vient en support à la population, les lois à bois, ça, et ça qui intéresse. Maintenant, je dis, ya, m'tap trop content, pardon, bravo pour le président Jovenel Moïse. L'arrivée sous tribune Nations Unies. Il très intelligent. Mais t'entends, Peggy. Président Jovenel arrivé sous tribune Nations Unies en 2017. Il prend engagement solennel que il pral rajeuni en administration publique qui vieillissant. Mais je dis, écoute, sous mandem, qui appréciation pour citoyen Jovenel Moïse, Mabdou, c'est un homme que j'apprécie beaucoup. Okay. C'est un type qui était très intelligent, il pas de croisé bral pour le temps, son qui fait ses vol travail, il met tibus en place jusqu'à ce que le construit bagaille. Mais sous madame qui appréciation pour président. Mabdou son honte pour pays a pour gain un président de niveau de triture, président Jovenel Moïse, elle gain intérêt pour avenir personnel. Et pour avenir soutien politique li, pour le faire en preuve de grandeur et de sagesse pour rentrer dans une dynamique de concertation. Parce que en réalité, moi-même, ça qui intéresse. Je ne pas souhaiter nous arriver dans une démarche Peggy pour de temps en temps pour nous disparaître de structure politique. Je pense que nous arrivons dans une dynamique de cohabitation, mais en respectant les normes et les principes. Merci. Merci en pile. Ingénieur Bradel ou sénateur Ivo? Je vais parler parce que après ingénieur a parlé. Bon, je comprends. C'est maintenant longtemps. C'est avec un pincement au cœur que moi-même, je m'attendais, j'ai lu discours ça, j'ai trouvé ça, Alain Soudbaïla, en général. Parce que tout haïtien, m'a parlé de monde qui voulait avancement pays qui pensait à redressement pays yo yo doit faire promotion renforcement à qui démocratique yo on va encourager l'obéi toute journée ou l'oloï toute journée m'a encourager l'obéi fin d'année parce que faut qu'on ait courage et grandeur d'âme pour dire un jour on camper là. Le problème, ce n'est pas le président Jovenel. Le problème, c'est l'allergie, une frange dans la classe politique en Haïti, avec certains secteurs gagnants, pour les gens qui arrivent au pouvoir dans l'élection. C'est le grand amour avec les gens, les gagnants anomalies antidémocratiques, que auraient les transitions, c'est le grand amour avec ces gens. Mais depuis son président qui sortit dans l'élection, qui est allergique à lui-même. Et ils mettent tout en œuvre pour l'empêcher de fonctionner. Implémenter vision que yo gagne. Ah ouais, président Jovenel, non. Pas battre pour mentir. Ça veut dire demain, si Dieu fait, ça te sauter fait avant. Eh bien, en 2022, président qui a pas le monter, il n'y a pas même 6 mois. Ou pas le temps de faire. En 2022, n'a pas un nouveau président. Ah non, mais c'est sûr. Incontestablement, il n'y a pas qu'à l'autre gens. Mon cap vini, il n'y a pas le 6 mois. On va le temps de l'obéir. Vle pas vle, faut l'aller. Mais quand on écrivait, faut une frappe du poing sur la table pour nous dire, mes amis, ressaisissez-vous. Oui, concrètement, ça veut dire le quoi? Pouvoir préconise quoi? Non, oui, j'avance. Ça veut dire quoi? Par exemple, on nous prend la mascarade de Mariotte, avec tout respect pour le monde qui était là. Ce sont des gens formés, ce sont des gens qui vieillissent. Mais qu'on l'autre, oui, il n'y a même pas mascarade. Mais qui ne mûrissent pas. Mais qu'on l'autre en réponse à Mariotte. Et pas même bagarre là. Il n'y a même plus bon. Non, mais ça me le faut comprendre. L'on est campé. Ou elle réunit des acteurs politiques. Et pour prendre des décisions qu'on connaît sciemment, qui sont vœux pieux. C'est une mascarade, c'est une farce.